Je pense qu'on a bien entamé le match. On a eu une bonne première période. Je pense qu'il faut continuer de jouer de cette façon-là. Je pense qu'on était capable d'avoir une avance au début du match. Je pense que pour le prochain match, il faut être capable de maintenir cette avance-là et pas de jouer sur les talons. Jouer de la même manière qu'on a joué en première période pendant trois périodes, je pense que ça peut nous aider beaucoup. On a eu des très bonnes occasions. Je pense qu'on peut, marquer encore plus en allant encore plus au filet. On a eu beaucoup de lancers au filet. Je pense qu'on se doit d'attaquer un peu plus la cage. Moi, ça va super bien. Je pense que déjà, je recommence là où j'avais un peu quitté ma saison à Laval. Je pense que j'avais eu une très grosse deuxième moitié de saison. J'avais beaucoup de confiance là-bas. Fait que j'avais parlé avec Buzz. Puis le but, c'était de porter la game que je jouais là-bas ici. Je pense que aujourd'hui, je pense que j'ai bien fait ça. Je pense que je peux être encore meilleur. Je peux peut-être pas à 100% encore, mais plus ça va avancer, plus ça va bien aller. Porter un peu plus des lancers de meilleure qualité, je pense, puis défensivement être un petit peu plus responsable, je pense que ça peut grandement aider l'équipe. On avait plusieurs choses, on voulait s'améliorer dans notre système de jeu, dans notre identité, sur certains points, et puis à la fois aussi être compétitif pour gagner, c'est de gagner le match, et mettre les joueurs qui n'étaient pas au stage la semaine dernière dans le bain. Voilà, tout ça est positif. On a fait un très très bon premier tiers. Je pense que ça fait longtemps dominer comme ça. Et puis après, on a su travailler fort pour garder le résultat. Donc ça, c'est positif, même dans le jeu. Des bonnes choses. Et on sait qu'on doit encore s'améliorer, mais ça va dans le bon sens. Et surtout le premier tiers, on a 18 tirs à 2 pour nos stats à nous. Et c'est clair qu'on doit et on peut sortir avec une plus grosse avance. Mais malgré tout, on avait deux buts d'avance et les pénalités des deux côtés au deuxième tiers ont un peu coupé le rythme et à 5 contre 5, on a un peu perdu le field avec ces pénalités. Et voilà, effectivement, au niveau, il faut marquer quand les occasions se présentent. C'est aussi le travail qu'on fait depuis un moment cette année et qu'on met en face beaucoup dessus ces derniers jours. Donc il faut continuer à travailler. Oui, c'est un mix, il faut les accompagner, voilà, et on verra une fois qu'on aura tout le monde comment on va mixer tout ça, mais la vitesse c'est le plus important et les joueurs qui ont de la vitesse à ce niveau, c'est très important, mais il faut aussi qu'ils soient encadrés par les anciens, donc voilà, on essaye de trouver le juste milieu.